Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. Lord, we thank you this morning. Père, nous te remercions ce matin. Thank you that you are worthy of all our praise. Merci d'être digne de nos louanges. Your faithfulness is great and never comes to an end. Ta fidélité est grande et n'a point de fin. Your provisions for us are endless and we thank you. Et ta provision pour nous est sans fin et nous te remercions. Thank you, God, for journey mercies you granted all of us. Merci pour la grâce que tu nous as accordée dans thank le voyage. Thank you for this gathering is not unto a man but merci unto the Lord. Pour ce rassemblement qui n'est pas à un homme mais for à unto Dieu. The Lord shall the gathering of his people be. Car c'est au Seigneur que le peuple se rassemble. Lord, we have come unto you. Seigneur, c'est à toi que nous venons. Please cause your face to shine upon us. Fais en sorte que ta face brille sur nous. That each one of us will get our portion from you. Pour que chacun de nous obtienne sa portion de toi. What you have reserved for us shall not be given to another one. Ce que tu nous as réservé ne serait donné à quelqu'un d'autre. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus Christ's name, we have prayed. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Please quickly turn to 1 Samuel chapter 9. Donc rapidement allons-y en 1 Samuel 9. Verse 1 and verse 2 up to verse 3. Verset 1, 2 et 3 du chapitre 9. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zero, the son of Bekorath, the son of Apia, a Benjamite, a mighty man of power. And he had a son, whose name was Saul, a choice young man, and a goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Tseor, fils de Bekorath, fils d'Afiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Et il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Now, that is just to tell you where Saul, the son of Kish, was coming from. Ça, c'était simplement pour présenter l'arrière-plan de Saul, le fils de Kish. That just tell you that anointed men don't fall down from heaven. They were born like anybody. C'est pour simplement faire ressortir le principe que les hommes oints ne tombent pas du ciel. Ils sont des hommes ordinaires comme nous. That is just to remind you that you can be a candidate for what God is about to do in our generation. Et c'est pour simplement te dire que tu es apte aussi à faire ce que Dieu veut accomplir parmi nous dans notre génération. There is already a vacancy in the heavens. Il y a déjà une place vide dans le ciel. And God was looking for someone to fill it. Et Dieu a cherché quelqu'un pour l'occuper. And God's eyes went into the family of Benjamin. Et les regards de Dieu se sont tournés dans la famille de Benjamin. And he got into the family of Kish. Et il s'est focalisé sur la famille de Kish. And the eyes of the Lord was upon a young man called Saul. Et les regards de Dieu ont été attirés par un jeune homme appelé Saül. And the Bible said he was a choice young man. Et la Bible dit qu'il était un jeune homme beau. A choice young man. Un jeune homme beau. A goodly young man. Il était beau d'apparence. The Bible said there was not among the children of Israel a goodlier person than Et he. La Bible disait qu'il était plus beau que tous les jeunes d'Israël. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. Et il était haut et grand de taille et très élancé. Il les dépassait tous. And God is going to make use of this kind of young man. Et Dieu veut utiliser ce jeune homme là. For a divine assignment. Pour une tâche divine.
Now, but the process of getting into the will of God for his life, mais le processus pour aller dans la volonté de Dieu pour sa vie, was also ordinary. C'était aussi un processus ordinaire. Again, sometimes God is setting ordinary things, ordinary situations, ordinary circumstances to locate you into what he wants to use you for in your generation. Une fois encore, Dieu utilise les situations ordinaires de la vie pour nous pousser dans ce qu'il a prévu pour nos générations. It's not every time that God wants to do something supernatural and he introduces it in a very, very spiritual, in quote, way. Ce n'est pas toujours que quand Dieu veut faire quelque chose de surnaturel, il va utiliser des moyens surnaturels, grandioses, entre parenthèses. For example, for Saul, what will lead him to that place where his destiny will be permanently changed was an ordinary journey to go and find his father's ashes. Dans le cas de Saül, par exemple, ce qui devait le propulser dans le plan de Dieu pour sa vie, c'était de commencer par aller chercher les ânes de son père qui étaient perdus. When they got as far as Zuf and they could not see the ashes, Saul said, "Let me go back because my father will start looking for me now instead of the ashes." Quand ils sont allés jusqu'à une certaine distance jusqu'à Zuf et puis n'ont pas trouvé les ânes, il avait voulu revenir pour ne pas que son père s'inquiète. It was then the boy, the young man, the servant that was going with him said, "No, there's a man of God in this city. Let's go and find out whether he can show us where the ashes were." C'est en ce moment-là que celui qui l'accompagnait, le serviteur, a dit, "Non, mais avant de retourner, allons-y dans cette ville qui est devant. Il y a un homme de Dieu, il va nous dire où se trouvent les ânes." Now, this man of God, they described him, said, "Behold, now there is in this city a man of God," verse 6, "and he is an honorable man. All that he says comes surely to pass. Now let us go there. Peradventure, he can show us our way that we should go." Donc il est dit de cet homme-là, à partir du verset 6, le serviteur lui dit, "Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin." Then Saul said to his servant, "But behold, if we go, what shall we bring the man? For the bread is spent in our vessel, and there is not a present to present to the man of God. What have we that we will go there?" Le verset 7 dit, Saul dit à son serviteur, "Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons?" And the young man that was going with him, the answer said, "Behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver. That will I give to the man of God to tell us our way. Let's go there." Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, "Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et Now, brothers and sisters, I don't know who introduced you to come to Gogo. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas qui t'a parlé de ce qui se passe ici à Gogo. I don't know who impressed you that you should come here. Je ne sais pas qui a fait pression sur toi pour que tu viennes. It may be a friend. Ça peut être un ami. It may be a brother. Ou un frère. It may be someone that has been affected somewhere. Ou bien quelqu'un qui a été déjà touché quelque part. It may be that you were having a dream. Ou peut-être tu as eu un rêve. And you saw in your dream that you travel into a wilderness. Et dans ton rêve, tu as vu que tu as voyagé dans un désert. And suddenly you started hearing about this place. Et subitement tu as commencé à entendre parler de ce lieu. Or maybe somebody said there's a man of God. Ou bien quelqu'un t'a dit il y a un homme de Dieu. Let's go there. Allons-y là-bas. Whatever he says come to pass. Tout ce qu'il dit s'accomplit. You may be coming, they may say, "Look, when you go there." Et peut-être même on va te dire en partant. They will pray for your sickness. Ils vont prier pour la maladie que tu as. Just go. Vas-y simplement. Something will change about Quelque you. Chose va changer te concernant. Others may say, "When you go there." Peut-être il y en a même qui vont dire. You will find the way you are looking for. Si tu y vas, tu vas retrouver le chemin que tu when cherches. When you go there. Arriver là-bas. There will be a direction for your life. Tu vas être orienté dans la vie. It is possible. Et c'est possible. That you had a news about this place. Que tu as eu des informations concernant ce lieu. And maybe all you wanted is who will show you how to find the access. Et peut-être ce que tu avais ce dont tu avais besoin c'est qui va t'aider à arriver ici. Maybe all you wanted is how you can just come here and find a way of doing other things. Et peut-être même que tu t'es dit arriver là-bas peut-être je vais être instruit pour savoir comment faire certaines or choses. Some of you have never been to Nigeria and said, "Look, it would be a nice time to go to that country." Et peut-être il y en a qui ne sont jamais venus au Nigeria et dire, "Oh, ce serait une belle aventure." And some of you say, "Look, I don't have money." Et il y en a qui disent, "J'ai pas d'argent." If we go there,
Si j'y vais, how will I get hotel? Comment est-ce que je vais avoir un how hôtel? Will I eat? Comment est-ce que je vais manger? How will I sleep? Comment est-ce que je vais dormir? I don't know anybody there. Je ne connais personne là-bas. How do I travel? Comment est-ce que je vais voyager? And someone said, no, 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 et puis quelqu'un t'a dit, non, non, ne t'inquiète once pas. You are able to get there, dès que tu y arrives, you will sleep. Tu vas dormir. You will eat. Tu vas manger. They will transport et you. On va te transporter. Just come along. Viens simplement. So I've never been to this kind of place. Il dit, ah, je ne suis jamais allé dans un tel endroit. All of this tout ceci might just be God. Ça ne peut être que ce que Dieu veut faire. Arranging un arrangement divin for you to jam your destiny. Pour que tu puisses entrer et rencontrer ta destinée. God's eyes are upon you. Les yeux, les regards de Dieu sont sur toi. Something is about to happen in your generation. Et quelque chose est sur le point d'arriver à ta génération. A time of transition is taking place. Parce qu'il y a un moment de transition qui s'opère. The children of Israel, they are looking for transition. Parce que le peuple d'Israël recherchait une transition. They cried to Samuel, Samuel. Ils ont crié à Samuel. It's not Samuel, that we don't like you. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. But we can't see a replacement in your sons. Mais on ne voit pas de remplaçant dans tes enfants, tes make fils. Make us a king. Donc, fais-nous un roi. Trouve-nous un roi. Oh, Samuel was crying. How can I make you a king? Et Samuel disait, mais comment est-ce que je peux vous trouver un roi? God is your king. Mais c'est Dieu qui est votre roi. They say we know. Il dit on le sait. But we need somebody that will be going in front of us. Mais on veut quelqu'un qu'on verra devant nous. Your sons are not correct. Et tes enfants ne sont pas un exemple. That's why we are asking, and you are now old. Et toi aussi tu es déjà âgé. And God told Samuel. Et Dieu a dit à Samuel. Please listen to them. Écoute-les s'il te plaît. I will give them a king. Je leur donnerai un roi. And so God began to search. Et Dieu a commencé donc à chercher. God was the one looking for a man. Et c'est Dieu lui-même qui recherchait un homme. Now look at what we are talking about. Voyez donc ce que nous disons. And God is arranging all of this. Et Dieu a arrangé tout cela. So that you can get to where the divine purpose of God will become clear to you. Afin que chacun puisse entrer dans le domaine où la volonté de Dieu sera claire pour lui. How I pray that your coming to Boko this year will mark a turnaround in the name of Jesus Christ. Et je prie que ta présence ici marque un tournant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. And the Bible said. Et la Bible dit. They went up there. Ils sont montés là-bas. And as they went up there, et arrivés là-bas, they found some young ladies among who went to draw water. Ils ont trouvé des jeunes filles qui allaient au ruisseau. And they said, "Is the seer here? Is the prophet here?" Elles ont demandé, est-ce que le voyant, le prophète est là? And the girls even said more than they were requested. Et les filles même ont donné plus d'informations que ce qu'ils voulaient. They said, "Ah, as soon as you come up." Et ils ont dit, oh, ok, dès que vous partirez d'ici, he is before you. Il est là devant vous. Make haste now. Va promptement. For he came today to the city. Car aujourd'hui, il est venu à la ville. There's a sacrifice of the people today. Parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. As soon as you become into the city, quand vous serez entré dans la ville, you shall straightaway find him. Vous le trouverez. Behold, he goes up to the high place to eat. Avant qu'il monte au haut lieu pour manger. For the people will not eat until he come. Car le peuple ne mangera point because qu'il he soit does arrivé. Bless the sacrifice and afterward they eat that were invited. Parce qu'il doit bénir le sacrifice après now, quoi. Now therefore, get you mangeront. Up, get you up, get montez you donc, up. Montez donc, montez vite. For about this time you will find him. Car maintenant vous le trouverez. Now get you up, get you up, get you up. Montez vite, montez vite. For about this time. Car maintenant, à ce moment-ci, you will find him. Vous allez le trouver. Don't waste time. Ne perdez pas le temps. Don't look left and right. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Allez-y tout droit devant vous. Those guests were very useful. Oh, mais ces jeunes filles ont été très utiles. Guiding Saul. Pour guider Saül. Pour arriver là où sa destinée va changer de façon permanente. You might think of people that have encouraged you. Vous voyez, vous pouvez penser à des gens qui vous ont encouragé. You might think of those who said, "Let's go together." À ceux même qui ont mobilisé les ressources pour vous faire venir. You might think of the sister that said, "Just go." Peut-être même vous pensez à cette sœur qui dit vas-y, vas-y. You might think of a brother that said, "Look, when you get to Boko, these are the kind of things. These are the kind of things." Et même you an orientation before you. Des frères même ont été suscités pour vous orienter, pour voir comment se comporter, ce qui va se passer. But now I want to tell you something. Mais maintenant je vais vous dire quelque chose. All of these are very important. Tout cela est important. We praise God for them. Et nous bénissons Dieu pour cela. But it's not about them. Mais il s'agit pas d'eux. It's about you. Il s'agit de toi. It's about your destiny. Il s'agit de ta destinée. It's about what God wants to do with you. Il s'agit de ce que Dieu veut faire avec toi. It's about something that heaven is about to release concerning you. Il s'agit de ce que le ciel veut libérer par rapport à ta vie.
And you have already come. Et tu es déjà ici, présent. But let me show you something Mais laisse-moi te montrer quelque chose d'autre that is very, very interesting to qui est encore intéressant. In verse 15, please. Au verset 15 du chapitre 9. Now the Lord had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying, "Tomorrow, about this time, I will send you a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be captain over my people Israel, that he may save my people out of the hand of the Philistines. For I have looked upon my people, because their cry has come unto me." À partir du verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est parvenu jusqu'à moi. » Can you see a divine connection? Est-ce que vous voyez donc là un lien divin qui a été créé? Did you think that you just came here by chance? Et vous pensez que vous êtes venu ici par hasard? Did you think it's just a general invitation that brought you Vous here? Pensez que c'est une invitation comme toutes les autres pour arriver ici? Don't make that mistake. Non, ne commettez pas cette erreur. Said, a day before, il dit un jour avant, God spoke to Samuel in the ear. Dieu a chuchoté dans l'oreille de Samuel. Since I'm not talking about Samuel, et comme ce n'est pas de Samuel que je parle, let's leave Samuel. Donc laissons Samuel de côté. God had whispered to him, et Dieu a parlé dans son oreille. By this time tomorrow, demain à l'heure ainsi, I will send to you a man. Je vais t'envoyer un homme. When we come in the afternoon and I tell you about why we keep doing Summit of the Nations. Et dans l'après-midi, quand nous aurons le temps de parler pourquoi nous tenons ces réunions du Sommet des Nations. Because we don't do this just to gather a crowd. Parce que ce n'est pas pour rassembler la foule que nous le faisons. We deliberately prayed. Nous prions vraiment de façon précise. That God will send the man, the woman that he has a destiny with. Que Dieu puisse seulement sélectionner et envoyer ceux avec qui il a une destinée accomplie. We are never interested in a crowd. Nous ne sommes pas du tout intéressés dans la foule. We have never thought we need a meeting just to make up a crowd. Nous n'avons jamais pensé qu'il faut avoir une réunion où on peut rassembler seulement une grande foule. We actually ask God. En fait, nous demandons à Dieu. Anybody that you have no business with. This year, don't let him come. Cette année, s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans ton programme, ne le fais pas venir ici. We particularly ask God for you. Et nous avons particulièrement demandé à Dieu te concernant. So let me inform you, you are not here by chance. Laisse-moi te dire que tu n'es pas ici par hasard. You may not know. Toi, tu ne le sais pas peut-être. There's a discussion in the heavenlies concerning you. Mais il y a une discussion au ciel te concernant. There's a matter God has discussed with us before you came. Il y a une chose avec laquelle nous avons discuté avec Dieu te concernant avant que tu n'arrives ici. This is not a casual meeting. Ce n'est pas une réunion ordinaire. And it is not a routine. Et ce n'est pas aussi une répétition ou bien une routine. It is because God is set about something that he wants to do and you are involved. C'est parce que Dieu a décidé de faire quelque chose dans lequel tu seras impliqué. Mais regardez, un jour avant, I will send you a man by this time tomorrow. Il dit, je t'enverrai un homme demain so à l'heure ici. I was wondering, alors je me demandais, so all the asses that were lost, toutes les années perdues donc, that they were running up and down here et and ils ont fait tout le grand tour pour le chercher. All of it was a divine arrangement. Tout cela c'était un arrangement divin. Did you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? All the winding journey they took, oh, tout le chemin tortueux qu'ils ont emprunté until they got to that place, pour arriver dans ce lieu-là, was all divinely programmed. Tout cela était programmé divinement. Did you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? How could God say by this time tomorrow? Comment Dieu peut dire demain à l'heure ainsi? And that will be 12 noon. Et cela à midi. How did God arrange? Comment est-ce que Dieu a arrangé cela? That Saul did not arrive at 1 a.m. Okay. Comment est-ce que Dieu a fait en sorte qu'il n'est pas arrivé à 1h du matin? How did God arrange? Comment est-ce que Dieu a fait l'arrangement? He did not arrive when the whole arrangement had finished. Au moment où il arrivait, tout est fini, la cérémonie est finie. How did it happen? Comment est-ce que cela s'est passé? And God said, et Dieu dit, by this time tomorrow, demain, à l'heure ainsi, I will send you a man. Je t'enverrai un homme.
And this is God. Et ça, c'est Dieu. And thou shalt anoint him to be captain. Et tu le oindras pour être le chef over my people Israel. De mon peuple Israël. That he may save my people out of the hand of the Philistines. Afin qu'il sauve mon peuple de la main des Philistins. For I have looked unto my people. Car j'ai regardé mon peuple. Because their cry. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Verset 16. You know there are things that God began to say about this particular meeting. Vous voyez, il y a des choses que Dieu a commencé à dire concernant cette retraite particulière. And I was a bit afraid of Et moi, j'ai eu un peu peur de ce qu'il disait. I was afraid of the dimension in which God wants to be speaking. J'ai peur de la dimension dans laquelle Dieu va s'exprimer. What heaven is saying he wants you to step into. Les choses que le ciel a préparées dans lesquelles il veut te faire entrer. And I was saying, but how can we? Are we not presumptuous? Et j'ai dit, mais ça, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. Just like Samuel could have thought of a man he has never met before. Comme Samuel pourrait aussi penser à de quelqu'un qu'il n'avait pas rencontré avant. A man that has not been one of the sons of the prophets. Oh, un qui ne faisait pas partie des fils des prophètes. You are not hearing me at all. Vous ne suivez pas, hein? He has not been in the fellowship. Il n'était pas là dans la communauté des prophètes. This one is coming from nowhere. Lui vient de nulle part. And God is saying, et Dieu dit, I'm the one sending him c'est moi to qui l'envoie vers toi. I'm the one sending him to you. C'est moi qui l'envoie vers toi. You will anoint him. Tu vas le oindre. He will be a captain. Et il sera un chef over my people. Sur mon peuple. Because parce que he will deliver my people il délivrera mon peuple out of the hand of the Philistines. De la main des Philistins. So by the time Saul was arriving, donc au moment où Saül arrivait, Samuel saw Saul. Samuel a vu Saül. When Samuel saw brother Saul, quand Samuel a eu le frère Saül, the Lord said to him, et le Seigneur lui a dit, behold the man whom I spoke to you of. Voici l'homme dont je t'ai parlé. This same. C'est lui. Not another. Ce n'est pas un autre. Shall reign over my people. C'est lui qui va régner sur mon peuple. That's the man. That's the man. C'est lui. C'est lui qui vient. So as Samuel came. Et donc quand Samuel s'est approché, ever before Saul we talk, avant même que Saül ne prenne la parole, Samuel said to him. Samuel lui dit. He was asking, excuse me, sir. Where is the seer's house? Lui posait une question. Il dit à Samuel, mais indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? And Samuel answered Saul and said, I am the seer. Verset 19. Samuel répondit à Saul, c'est moi qui suis le voyant. Go up before me. Monte devant moi. Unto the high place. Au haut lieu. For you shall eat with me today et and vous tomorrow. Mangerez aujourd'hui avec moi. And I will let you go. Et je te laisserai partir and demain. I will tell you all that is in your heart. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. And as for your asses that were lost 3 days ago. Ne t'inquiète pas de tes ânes. Forget about ils ont perdu that. Il y a 3 jours. Oublie Set cela. Not your mind on them. Ne t'inquiète plus de cela. For they were found. Parce qu'elles sont déjà retrouvées. And on whom is all the desire of Israel? N'est-ce pas pour toi toute la maison d'Israël? Is it not on you? Ce n'est pas à toi? And on all your father's et house? À toute la maison de ton père? What? Bon sang. May God help you to settle down. Que Dieu t'aide à vraiment t'installer. May the Holy Spirit engage you. Que le Saint-Esprit t'engage. May you hear beyond what you thought you were here. Que tu puisses entendre au-delà de ce que tu penses pouvoir recevoir ici. Up to this time. Jusqu'à ce moment. Saul only was waiting for him to say, your asses are locked up around the bush somewhere, and as you go, turn left, turn right. Turn left, turn right again. When you come to roundabout, take the third exit, and then you will see them. Quand il a posé la question, Saül s'attendait à ce qu'on dise, oh, les ânes sont enchaînés quelque part dans une broussaille. Tu vas tout droit, tu prends le tournant à gauche, la troisième rue, tu regardes la colline, tu descends, et puis bon. And he was preparing the offering he was going to give et the man of God. Il était sur le point de déposer l'enveloppe qu'il avait envoyée à l'homme he de Dieu. He never expected that the man of God was going to feed him that day. Il ne savait même pas que c'était lui qui allait recevoir la nourriture de l'homme de Dieu. Some of you came with offering here. We are not going to collect it. Certains ont commencé à mettre des offrandes dans l'enveloppe. On ne va pas les prendre. I know you are very religious. Je sais que vous êtes très religieux pour ça. But it's not about your offering that you came here. Il ne s'agit pas de vos offrandes. God actually. En fait, Dieu.
wants to give you something to eat. Veut te donner quelque chose à manger. That's what we have been waiting and praying for. C'est ce que nous attendions en prière. So Samuel said to him. Alors Samuel lui dit. Is it not on you that the whole house of Israel is waiting? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison d'Israël que n'est-ce pas toi que Israël attend? Do you not know that the desire of the whole Israel is upon you and upon your father's house? Ne sais-tu pas que tout le désir d'Israël est sur toi et sur la maison de ton père? Who am I? Et dit, qui suis-je? Am I not a Benjamite? Ne suis-je pas un Benjamite? Of the smallest of the tribes of Israel? De l'une des plus petites tribus d'Israël. My family is the least of all the tribes of the tribe of Benjamin. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu Wherefore de Benjamin? Why are you speaking like this to me? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Who am I? Qui suis-je? Who am I? Qui suis-je? If you know where I'm coming from, si tu sais d'où je viens, you won't be talking to me like this. Tu ne vas pas me parler de la sorte. If you know what I am, si tu sais qui je suis, you know that I'm not a candidate for this kind of. Tu vas savoir que je ne suis pas apte à ce que tu dis là. I come from a small church. Moi, je viens d'une petite église. And I'm not even the senior pastor. Et je ne suis même pas le pasteur principal. How can you be saying this about me? Comment est-ce que tu peux me dire, tu peux dire des choses me concernant de la sorte? God's ways are not your ways. Et les voies de Dieu ne sont pas tes voies. God doesn't think like you are thinking. Dieu ne pense pas comme toi. What God sees about you, ce que Dieu voit te concernant, is beyond what you are thinking. Ça va au-delà de ce que tu penses. Please sit down here. Donc assieds-toi bien ici. Open your heart. Ouvre ton cœur. Open your heart. Ouvre ton cœur. Something is about to take place. Parce que quelque chose va se passer. And you have a portion in it. Et tu as une part dans ce qui va se passer. So Samuel took Saul and his servant up. Donc Samuel a pris Saül et son serviteur. And he brought them into the parlor. Et il les a envoyés à la véranda. And he made them sit. Il les a fait asseoir. In the chiefest place. Oh, dans la place d'honneur. Among them that were bidden, that were invited. Parmi les invités d'honneur. And there were about 30 persons. Et il y avait environ 30 invités. And Samuel said unto the cook, et Samuel dit au cuisinier, bring the portion, envoie la partie, which I gave you, que je t'ai demandé, of which I said to you, que je t'ai demandé, set it by yourself, de mettre de côté. And the cook took up the shoulder, et donc le cuisinier prit, and that which was upon it, donna l'épaule et ce qui l'entoure, and he set it before Saul and Samuel. Et il a servi à Saül et à Samuel, et Samuel dit. And Samuel said, et Samuel dit, behold, voici that which is left, ce qui a été réservé. Set it before you and eat. Mets-le devant toi et mange. For unto this time, car has it been kept for you. On l'a gardé pour toi. Since I said I have invited the people. Lorsque j'ai convié le peuple. This is not a leftover. Ça, ce n'est pas un reste. Is a reserved meat. C'est une réservation, une réserve. Since I started inviting people, dès que j'ai commencé à penser à inviter les gens, are you hearing me? I have kept this aside. J'ai mis ça de côté. It was a portion that I said they should put aside. C'est une portion que j'ai demandé qu'on réserve. Because parce que I was expecting you. Je m'attendais à toi. And he said, but et il dit, mais il était étonné. When did you? À quel moment? He said, you don't understand. Il dit, mais tu ne comprends pas. We are talking from the heavenlies. Nous, on cause avec le ciel. C'est depuis le ciel qu'on a l'entretien. There was an invitation in the heavenlies. Et c'est depuis le ciel que l'invitation a été lancée. All the asses that you were looking for, toutes les ânesses que tu recherchais. They are bringing you for this. C'est un arrangement pour t'amener. Particular, and it is for this time. Ah, et c'est pour cette heure-là que tout cela a été arrangé. Sit down, sit down. Assieds-toi donc. Sit down. Assieds-toi. And eat it. Et mange-le. Because. Parce que. It was for this time. C'est à cause de cette heure-là. Since I started inviting people. Depuis que j'ai commencé à inviter les gens. I've been inviting people. J'invitais les gens. I've been inviting people. J'ai commencé à inviter. Since I've been inviting people, et depuis que j'ai commencé à lancer des invitations, we knew you are coming. Nous savions que tu allais venir. We knew that heaven is bringing you. Nous savions que le ciel va t'attirer ici.
And even yesterday again, et même hier encore, the Lord reminded le Seigneur m'a rappelé that by this time tomorrow, demain à l'heure ainsi, you will be here. Tu seras, toi, tu, sais, tu devais être présent time, ici. Et à ce moment-là, I just saw you at my gate. J'étais vu là à ma porte. And the Lord said, that's the man. Et le Seigneur dit, c'est lui. There's a confirmation. Et c'est une confirmation. That's the man. C'est lui. That's the man. C'est lui. C'est la personne là. Anointing. Oins-le. And so from that moment, et à partir de ce moment-là, the story of Saul, l'histoire de Saül, changed. A changé. What does this imply? Qu'est-ce que cela implique-t-il? Now, number one. D'abord, premièrement, you are not here by chance. Tu n'es pas ici par hasard. You are not among these people by chance. Tu n'es pas au milieu de ce peuple ici par hasard, par accident. You did not come here to make up the number. Tu n'es pas venu agrandir le nombre. It is not the number. Ce n'est pas la foule. And even though it will look, we have always gone. No. Et quoi que tu puisses dire, oh, je suis déjà allé, on est déjà arrivé là-bas, on est déjà parti. Non, cette fois-ci, settle down. Installe-toi bien. God is going to engage you. Dieu va t'engager. God is going to personally engage you. Personnellement, Dieu va t'engager. God is going to do something that will set the new agenda for your life and for the work for which God has preserved you. Dieu va commencer à énoncer le projet, le programme des choses pour lesquelles il t'a fait venir ici, il t'a appelé. It takes great faith in my heart to believe what God is saying. En fait, il faut avoir la foi. J'ai besoin d'avoir la foi pour croire même ce que Dieu est en train de dire. When Google stood up and read, quand le frère Google tout s'est levé, il a said dit, the kingdom of heaven is at hand. Il dit, ah, le royaume des cieux est proche. For me, I say God. Et j'ai dit, ah, Dieu. So this thing you are whispering to me. Donc ce que tu avais murmuré à mes oreilles, is about to break. C'est sur le point de commencer à éclore. And then when the South Africans began to sing, et quand les frères de l'Afrique du Sud ont commencé à chanter, I don't know why the Spirit led them to sing about the revival that is about breaking forth. Et je ne sais pas comment ils ont été conduits à chanter par rapport au réveil qui est sur le point d'exploser. May God help you to settle down. Que Dieu te t'aide à t'installer vraiment à l'intérieur de toi. May God help you to know that we are not about another routine. Et que Dieu t'aide à comprendre que ce n'est pas une répétition, ce n'est plus une routine. Yes, yes, you yourself you need to believe God. Oui, toi aussi tu as besoin personnellement de croire Dieu. How could a Saul from a small house, comment un Saül d'une petite maison, who did not go to look for anything, qui n'est pas allé rechercher quelque chose, it was only ashes he was, il recherchait que des ânes. How could he jam what will change his destiny in the next few days? Comment est-il entré dans quelque chose qui devait changer sa destinée dans les jours qui suivaient? Do you know that by the time Saul was going back, est-ce que vous savez le temps où Saül retournait? He has been turned to another. Il était transformé en une nouvelle personne. Oh my God. Hallelujah. I don't know whether you understand that. Je ne sais pas si vous comprenez cela. He has been turned to another. Il était déjà changé à un autre homme. God gave him another heart. Dieu lui a donné un autre cœur. Suddenly. Et subitement. The heart of a captain. Il avait eu le cœur d'un capitaine, d'un chef. Came upon him. Le cœur d'un héros, d'un chef est venu en lui. People that saw him. Ceux qui le voyaient. When the Holy Ghost came upon him. Après que le Saint-Esprit soit venu sur lui. And he began to prophesy. Et qu'il a commencé à prophétiser. You know they were all surprised. Ils étaient tous surpris, n'est-ce pas? Ah. His son, the son of Kish, also among the prophets. Donc, Saül, le fils de Kish, est aussi parmi les prophètes. And then another said, but who is their father self? Et puis il y a quelqu'un qui dit, mais son père même c'est qui? Ah, Saul. Saül. You are also prophesying. Donc tu es en train de prophétiser aussi. When did this happen to mais you? Depuis quand est-ce que ça s'est arrivé? Men are going to ask you questions. Les gens vont te poser des questions après ici. When did this thing happen? Comment est-ce que ces choses sont arrivées? When did you join the sons of prophets? Mais comment est-ce que tu t'es joint aux fils des prophètes? When did you become this kind of comment est-ce que tu es devenu encore un tel homme oint? How did something overnight change about comment you? Est-ce que du jour au lendemain les choses ont changé te concernant? I just want God to help you to know.
Je vais demander à Dieu de vous aider à comprendre that this gathering que ce rassemblement is not a ceremony, ce n'est pas une cérémonie. It's not a routine, ce n'est pas une routine aussi. It's not because we are looking for preaching practice. Et ce n'est pas aussi pour nous exercer la prédication. Non. God forbid. À Dieu ne plaise. And it's not because we are looking for publicity. Et ce n'est pas aussi que nous recherchons de la publicité. And it's not because we want to say yes, oh Summit of Nations, 27 nations have come. Ce n'est pas pour annoncer les statistiques pour dire oh au Sommet des Nations il y avait 27 nations. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Why are we going to be spending so much time, so much money only for that kind of flimsy thing? For what? Comment est-ce qu'on va dépenser toutes ces ressources humaines et physiques et financières pour simplement nous glorifier de ces choses? Yes, I know there are some men of God. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu. That they can spend a fortune. Et ils peuvent dépenser toute une fortune. Just to gather people for the camera. Tout simplement pour rassembler les gens devant la caméra. Because they like publicity. Parce qu'ils aiment la publicité. But such a man of God is not here. Mais une telle personne, de tels hommes de Dieu ne sont pas ici parmi If God nous. Has nothing to do with you, there's no need for you to be here. Si Dieu n'a rien à voir avec vous, il n'allait pas vous amener ici. And if God Et si Dieu did not intend to do something with your life. N'avait pas prévu de faire quelque chose avec ta vie. I regard it as a cheating to worry you to come here. Je vois vraiment que ce n'est pas une bonne chose que de t'avoir fait venir ici. If God will not give you something tangible. Et s'il n'est pas disposé à te donner quelque chose de concret. Then we have cheated you for coming. Alors ce qui veut dire que on a abusé de ta naïveté. As I was praying the other day, I said, God. Et quand je priais la dernière fois, j'ai dit Dieu. Look at this wilderness where you located us. Mais regarde cette brousse dans laquelle tu nous as localisé. Look at hours and hours of bad road that these people are going. Mais regarde to toutes ces heures de mauvaise route qu'ils vont emprunter. Why are you dragging them here? Mais pourquoi tu les attires ici? God. Dieu. If you are not going to do something for them. Si tu ne veux pas faire quelque chose pour eux. Don't cheat them like this. Non, ne les traite pas de cette manière. If nothing is going to come out of this, s'il n'y a rien qui va sortir de ce rassemblement, God, alors Dieu, don't worry them like this. Ne les dérange pas ainsi. Some of you started your journey and for 3 days you have not arrived. Il y en a qui ont commencé leur voyage depuis 3 jours, ils n'étaient pas encore arrivés ici. Some are traveling for 5 days. Il y en a même qui ont voyagé 5 jours. People are saying, what is in that Boko now? Qu'est-ce qu'il y a Boko là-bas même? What are they preaching that you cannot get at? Qu'est-ce qu'ils vont prêcher là-bas que tu ne peux pas avoir ici dans ton salon? If it's just preaching, si c'était simplement pour la prédication, you could have got preaching anywhere. Tu aurais pu avoir des prédications meilleures quelque part. But there's something heaven needed you here to collect. Mais il y a quelque chose que le ciel veut que tu retournes avec. Alléluia. I want to pray together with you. Et je voudrais prier ensemble avec toi ce matin. Oh God. Et dis, oh Dieu. The things you say you will do. Les choses que tu as prévu de faire. Don't fail to do it. Ne manque pas de les faire. The things you want to do with this life. Ce que tu veux faire de cette vie là. Father. Père. Please do it. S'il te plaît, fais-le. That's what I'm going to pray with Et c'est ce que je vais demander dans la prière ensemble avec And vous. I would like you yourself to pray. Et j'aimerais aussi que vous-même vous puissiez prier. I'd like you to pray. Et prier. When Saul discovered that he has entered into a new thing. Quand Saül a découvert qu'il entrait dans une chose nouvelle. He sat down. Il s'est assis. He began to eat that thing. Il a commencé à se nourrir, à manger. And when they came down from the high place, et quand ils sont descendus du haut lieu, Samuel communed with Saul upon the top of the house. Okay, Samuel est resté ensemble avec Saül sur la véranda. There is la a chambre communion haute. On top of the house. Oh, il y a une communion dans la chambre haute pour toi. That's a communion for your assignment. Et ça, c'est une communion pour te confier a la tâche communion accomplie. Communion for your next level of oppression. Et donc c'est la communion pour te parler de ton autre niveau d'opération. And they rose early in the morning. Et très tôt le matin, ils se sont levés. And Samuel called Saul to the top of the house again. Et Samuel appela Saül. Up, that I may send you away. Il dit viens pour que je t'envoie. And Saul arose and they went out both of them. Et Saul se leva et sortit tous les deux, lui et Samuel. And as they were going down to the end of the city, et quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel said to Saul, Samuel dit à Saül, tell your servant to pass on before us. Dis à ton serviteur de passer devant nous. And the boy passed on. Et le serviteur passa devant. But stand out still a while. Arrête-toi maintenant. That
I may show you. Reprit Samuel, et je te ferai voir the word of God. La parole de Dieu. Then Samuel took the vial of oil. Et Samuel prit la fiole, une fiole d'huile. Poured it upon his head. Qui répandit sur la tête. And kissed him. De Saül et le baisa. Et dit, is it not because the Lord has anointed you to be captain over his inheritance? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? And he began to tell him, I don't need to tell you all of that. Il n'a pas besoin de dire le reste. Il a commencé à lui raconter le plan de Dieu. But the Bible said. Mais la Bible a dit. As soon as Samuel, Saul turned from Samuel. Et dès que ils se sont séparés, God gave him another heart. Dieu lui a donné un autre cœur. May God visit you with another heart. Que Dieu te visite avec un autre cœur, un nouveau cœur. You know the heart I'm going to be praying about. I don't want to talk about it now. Je ne vais pas tellement parler ça, mais le cœur que je vais demander que Dieu te donne. It is not just a heart that is delivered from sin. Ce n'est pas seulement un cœur qui est délivré du péché. Some of you, God is helping your life to deliver from sin. Certains ont été aidés pour être délivrés de la puissance du péché. And some of you, you really don't want to keep living in sin, but something has hooked you. It will break here in the name of Jesus. Et il y en a qui ne veulent plus vraiment vivre dans le péché, mais ils sont comme esclaves, mais ce sera brisé au nom de Jésus cette fois-ci. But there's another heart. Mais il y a aussi un autre cœur. A heart for what God is about to do. Un cœur qui soupire après ce que Dieu veut faire. Some of you, your heart has been narrow for all the years. Certains d'entre vous, vous avez eu un cœur étroit depuis toutes ces années. You are narrow. Vous êtes étroit d'esprit. Your way of thinking is so small. Votre façon de penser est tellement étroite. What God wants to do with your life, you couldn't enter into it with this kind of heart. Et ce que Dieu veut faire pour vous, vous ne pouvez pas y entrer avec un tel cœur. God will change your heart. Dieu va changer votre cœur. God will give you a different kind of heart. Dieu va vous donner un autre cœur avec une autre dimension. A heart that can contemplate what God wants to do. Un cœur qui peut contempler ce que Dieu veut faire. Something will happen to you here. Quelque chose va se passer dans ton cœur ici. An enlargement is going to follow. Il y aura un élargissement qui va s'opérer dans ton esprit. You see, I don't know how to put it, but I know God will do it. Je ne sais pas comment le dire, mais je sais que Dieu va le faire. There's no need to be describing. C'est pas la peine de chercher à décrire ce que Dieu lui-même va faire. Will you be ready to pray together? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce matin? So that as we conclude this morning. De sorte que dans la conclusion ce matin. You can get yourself ready. Tu puisses t'apprêter for what the Lord is about to do. Pour ce que le Seigneur est sur le point de faire. Take any position of prayer you like. Adopte la position de prière qui te convient. You want to stand up? Tu veux te tenir debout? You want to sit down? Tu veux rester assis? Let's pray together. Prions ensemble. Let's pray together. Prions ensemble. I will pray first and then I'll allow you to pray your prayer. Je vais d'abord prier, ensuite vous laisser prier aussi. Our Father and our God. Notre Père et notre Dieu. Your people have arrived. Ton peuple est arrivé. The people you told us about. Ceux dont tu nous as parlé. Those you whispered to us about. Ceux pour lesquels tu as murmuré à nos oreilles. Those that you said we should prepare for them. Ceux pour lesquels tu as dit de préparer le chemin. Do what you say, oh God, you will do. Fais ce que tu dis que tu vas faire, Seigneur. The things you say you will do. Les choses que tu dis que tu vas faire. Oh God, arise. Oh Dieu, lève-toi. And do it. Et fais-le. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Open your mouth and pray your maintenant, prayer. Maintenant, ouvrez la bouche et faites votre prière personnelle. Tell God how you want. Dis à Dieu ce que tu veux. Even if you feel insignificant. Même si tu penses que tu es insignifiant. It's not about your significance. Il ne s'agit pas de toi. It's about what God says he will do. Il s'agit de ce que Dieu dit qu'il va faire. It's about what God says he will do. Il s'agit de ce que Dieu dit qu'il va faire. It's about what God says he will do. Il s'agit de ce que Dieu dit qu'il va faire. Shaburobo samba rabashiri. Oh God, rabasanka tauya makondo roboshiri. Indeke zembo roboshinda bakunda kuri masai. Oh God. Do what you say you will do. Fais ce que tu dis que tu vas faire, Seigneur. Do what you say you will do. Fais ce que tu dis que tu vas faire, Seigneur. In Jesus' name we have prayed. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Do you know anything that could be a hindrance to you? Est-ce que tu vois quelque chose qui sera comme un obstacle à ce que Dieu veut faire dans ta vie? Saul could have turned back because he thought he had no money.
Il y en a qui ont voulu retourner parce qu'ils n'avaient plus d'argent. But we don't need money here. Mais nous n'avons pas besoin d'argent ici. How will you come here and begin to worry about something? Comment est-ce que tu peux venir ici encore et t'inquiéter pour ces choses? What is it that you think can hinder God from touching? Qu'est-ce que tu penses qui peut empêcher Dieu de te toucher? Is there a secret bitterness that you are holding with somebody? Est-ce qu'il y a une amertume secrète que tu as envers quelqu'un ou contre quelqu'un? Is there a secret sin that you have been struggling with? Y a-t-il un secret, un péché secret avec lequel here, tu luttes? On this altar, it must be buried. Et ici, à cet autel-là, cela doit être enterré. Now I want you to pray and say every hindrance. Et je voudrais que tu pries et demandes que tout obstacle. Everything that could block me. Tout ce qui peut me bloquer. Father, this afternoon. Oh, cet après-midi, Père. Uproot them. Déteste cela. I must get to that top of the house. Je dois aller à la chambre haute. I'm going to eat what I ought to eat. Et je dois manger ce qui m'a été réservé. My heart that is narrow must be changed. Et mon cœur qui est étroit doit être changé. My faith that is dwindling must be changed. Et ma foi qui vacille doit changer. My perspective that is too small, Lord, must be changed. Et mes perspectives aussi doivent changer. Let's pray. Call on God for yourself. Prions. Demandons à Dieu. Thank you, Father. In Jesus Christ's name, we have prayed. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Please stretch forth your hand to God as we étendez vos mains vers Dieu et nous allons prier. And you are just going to say, Jesus, I am here. Et tu vas simplement murmurer pour dire, Jésus, je suis là. Jesus, I am here. Jesus, I am here. I am here. Je suis là. For you. Jésus, je suis là. Mon Seigneur, je suis là. Je suis là pour toi. Jésus, je suis là. Jesus, I am. Savior, I am here. I am here. I am here. Father, I am here. Lord God, Holy Ghost, I am here. Oh Lord Jesus. Are you here for him already? Est-ce que tu es déjà là pour lui? Just say yes, Lord, I am here. Dis oui, Seigneur, je suis là. Deal with me as it seems right in your eyes. Traite avec moi selon ton bon plan, ton bon plaisir. Whatsoever it is that you want to deal with. Tout ce que tu veux toucher et enlever. Those things that is not part of what you want to do with my life. Tout ce qui n'est pas partie de ma vie. I'm ready to let it go. Je suis prêt à laisser cela partir. I'm ready to let it go. Je suis prêt à laisser cela partir. Thank you. Merci. In Jesus Christ's name, we have prayed. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. So Lord, cause your face to shine upon your people. Seigneur, fais que ta face brille sur ton peuple. As they begin to encounter you one after the other. Alors qu'ils commencent chacun à te rencontrer. Be definite with them. Sois précis. Place your finger on their lives. Mets le doigt, ton doigt sur leur vie. Place your hand upon their lives. Et pose ta main sur leur vie. You sent them here. Tu les as fait venir ici. According to your word. Selon ta parole. And we have been waiting. Et nous attendions. We trust you, God. Nous t'avons fait confiance. That this year's meeting. Nous te faisons confiance que cette année. Is releasing captives. La retraite va libérer des captifs. Is releasing captains. Ça va libérer des capitaines, des chefs. Men that will go and do things for God.
Des gens qui vont aller et faire des choses pour Dieu. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci, Père. If you have an urgent need already, et si tu as déjà un besoin pressant, you just know that you have entered into a very, very, very crucial place in the presence of God. Et tu sais que tu es déjà dans une position très, très, très stratégique et très précieuse avec le Seigneur. You sense that nobody needs to tell you to do away with sin. Et tu sais que personne n'a besoin de te dire que tu dois traiter avec le péché. It just became clear to you that you can't play around again. Et tu comprends clairement que tu ne peux plus jouer avec cela. I would have said, let's do it in the night. Et j'aurais pu dire, on remet ça au But soir. The Holy Spirit is saying, do it now. Mais le Saint-Esprit me dit, fais-le maintenant. So wherever you are standing, là où tu te actuellement, or sitting, ou là où tu es assis. There's something you must drop at the feet of the Lord. Il y a quelque chose que tu dois déposer au pied du Seigneur. There's a sin that you need to say, Lord, it's enough. Il y a un péché pour lequel tu dois dire au Seigneur, j'en ai assez. There is something that stood between you and God for years. Il y a quelque chose qui se tient entre toi et Dieu depuis des années. Now that God is bringing you to a place of divine turnaround. Et Dieu t'envoie maintenant dans une position de bouleversement spirituel. How can that thing send you away here? Pourquoi est-ce que cela va te disqualifier ici encore? You must get rid of it. Tu dois te débarrasser de ça. So if this moment already, et donc si en ce moment déjà, you just feel that I need to repent. Tu sens dans ton esprit que tu dois te repentir. For the kingdom of heaven is already parce here. Que le royaume de Dieu est what déjà God proche. Says he will do is already here. Ce que Dieu dit qu'il va faire est déjà présent. Can I please allow you 2 minutes? Et je vais te donner 2 minutes, s'il te plaît, to make it right. Pour régler cela avec Dieu. If you want to do it, you come si tu veux venir devant pour le faire, pour laisser ça devant Dieu et te mettre là devant Dieu et te présenter. Not here again will I be an hypocrite. Et dis, je ne veux plus être un hypocrite. Not this far away place will I again pretend. Je ne veux plus venir très loin ici pour continuer de garder le masque. This matter must finish here. Cette affaire doit être réglée aujourd'hui ici. Just for 2 minutes if you need peut-être to come pendant out deux quicker. Minutes si tu peux t'avancer. Just do that now. Fais-le maintenant. And permit me to just pray and say, God, this matter must end here. Sin cannot hinder these ones from getting to what you want them to get. Et thank you, Jesus. Et permets que je puisse prier afin de demander à Dieu que le péché ne doit pas te priver de ce que Dieu veut faire. Secret things you have nursed over the years. Les choses secrètes que tu as chéries toutes ces années-là. Things that you know has always scattered the purpose of God et in your life. Et tu sais que ce sont des choses qui dispersent la volonté de Dieu dans ta vie. Things that even though your pastor preach something to you, no, I can't repent here. Et des choses même quand ton pasteur prêche, tu dis non, je veux pas toucher cela. And sometimes you are a pastor. Et quelquefois même tu es pasteur. The things that you are doing. Toi, ce que tu fais, has made God to peg your progress. Ça a bloqué ton avancement spirituel. Nobody could talk to you. Personne ne te parle. And personne God ne t'écoute. Is saying, but I've not finished with this et man. Dieu dit, mais pourtant, je n'ai pas encore fini avec lui. Send him to Boko. Il faut l'envoyer à Boko. And here you are. Et voici, tu es là. Already the Holy Spirit is pointing at it. Et déjà, le Saint-Esprit pointe cela du doigt. Say, like if you are coming, just lift up your si two hands. Si tu es déjà, si déjà en train de venir, lève tes deux mains. Even this afternoon. Et dis, Seigneur, même cet après-midi. Already. Déjà. You are pointing your finger at tu my dis, case. Seigneur, tu es en train de pointer du doigt sur ce qui se passe dans ma let vie. Let it finish here, oh God. Oh, que cela finisse ici, oh Dieu. Let it finish this place, oh God. Que cela prenne fin ici, en let ce lieu. Let the power of sin not hinder me again. Que le pouvoir du péché ne me bloque plus. If you did not intend to help me, si tu ne veux pas m'aider, I don't see you bringing me here. Je ne vois pas pourquoi tu me traînes jusqu'ici. You have brought me. Tu m'as fait venir ici. Because my case is not finished with you yet. Parce que mon cas n'est pas encore fini avec toi. Have mercy on me, oh God. Aie pitié de moi, oh Dieu. Have mercy on my soul. Aie pitié de mon âme. Have mercy on me, oh God. Aie pitié de moi, oh Dieu. Do a new thing with me. Fais une chose nouvelle avec moi. Just from this moment, à partir de ce moment, circumcise my heart. Circoncis mon cœur. Thank you, Father. Merci, Père. Lord, I plead for the blood of Jesus this afternoon. Seigneur, je plaide le sang de Jésus cet après-midi. It pleases you to bring us. Il t'a plu de nous faire venir ici. I know because of what you want to do. Et je sais à cause de ce que tu veux faire. This sin, this habit, this wrong thing will not prevail here. Cette mauvaise attitude, cette mauvaise habitude ne va plus prévaloir. So we plead for the blood of the Lamb. Nous plaidons le sang de l'agneau. We plead for your forgiveness. Pour ton pardon.
We plead for a fresh touch. Nous plaidons que tu touches fraîchement. We plead, oh God, for a fresh circumcision. Et pour une circoncision nouvelle. We plead for a miraculous intervention. Nous prions pour une intervention We miraculeuse. Plead, oh God, for a divine intervention. Nous prions pour une intervention divine. Do it in the name of Jesus Christ. Fais-le dans le nom de Jésus-Christ. Oh God, arise now. Oh Dieu, lève-toi maintenant. Recover these lives. Et rachète ces vies. Restore their hearts. Restaure leur vie. Do a new thing for them. Chose nouvelle pour eux. In Jesus Christ's name, we have prayed. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ.